Ok, donc on va continuer, hein, s'il vous plaît, on va continuer et on va regarder, donc page 138, s'il vous plaît, ici, Samshipal, d'accord, page 138, on va regarder et d'abord on va écouter. Mais je vous explique un peu ici la situation, donc en Corée, euh, si vous êtes très malade, où il y a un accident que ton sago quelque chose de très grave vous allez téléphoner au 119 il il nous en france nous avons le SAMU alors le SAMU c'est comme il mais en France attention vous allez téléphoner au 15 Chibo le 15 c'est pour le SAMU c'est à dire service Aide médicale urgente. D'accord c'est pas très important, mais si vous allez en France et vous avez un problème de santé, si vous êtes très malade, vous allez téléphoner au 15. D'accord On écoute le dialogue. Écoutez bien le dialogue. Un appel au SAMU. Oui, allô Oui, Alain, c'est John, je te passe M. Marc affiche 166, c'est un monsieur de 27 ans qui a de la fièvre et qui a mal à la gorge depuis deux jours. Il va l'avoir en ligne. D'accord. Allô, monsieur Bonjour, euh, voilà, c'est le médecin du centre 15. Là. Donc vous avez 27 ans, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Bonjour, docteur. Voilà, j'ai mal à la gorge et à la tête. Et j'ai de la fièvre. D'accord. Vous avez mal au dos aussi Oui, j'ai mal au dos, aux bras et aux jambes. Mmh. Vous pouvez vous lever Non, docteur. Je suis malade. Je suis au lit. Qui peut aller à la pharmacie pour vous Des voisins, peut-être Vous pouvez leur demander. Je vais demander à ma femme. Je lui envoie un message. Il faut quel médicament, docteur Alors, dites-moi votre poids et votre taille, s'il vous plaît. Vous pesez combien Vous mesurez combien Je pèse 82 kilos et je mesure 1m75. Alors, il faut de l'aspirine 500 vous prenez trois comprimés par jour pendant trois jours. Si ça continue, vous appelez votre médecin et vous lui expliquez votre problème. D'accord. Merci Docteur. Alors, quelque chose d'important, vous devez comprendre. Euh, D'abord, alors, vous êtes très malade, vous allez téléphoner au 15. Quelqu'un, une personne, va répondre. Ça, c'est un standardiste. Donc, vous avez un centre spécial pour répondre au téléphone. Donc, une personne, un homme ou une femme, va répondre. OK Et après, va passer un docteur. Donc, un docteur au téléphone va vous poser des questions. Un médecin, un docteur, va vous demander Bonjour, monsieur. Bonjour madame, qu'est-ce qu'il y a D'accord Qu'est-ce qui se passe Où vous avez mal Donc si c'est très important, très très important, vous êtes très malade, l'ambulance va arriver rapidement. Mais si ce n'est pas très important, ici par exemple, le docteur va dire écoutez, allez à la pharmacie, vous pouvez acheter de l'aspirine, etc., D'accord Vous comprenez la situation. Donc ici, ce n'est pas à l'hôpital. D'accord Ici, c'est au téléphone. Ok Donc le docteur va parler avec le jeune homme malade et va voir qu'est-ce qu'il a. D'accord Donc, on regarde le vocabulaire. Donc je vais répéter. Euh, oui, allô? Oui, Alain, c'est John. Je te passe Monsieur X, c'est la fiche. 166, c'est un monsieur de 27 ans qui a de la fièvre et qui a mal à la gorge depuis deux jours. Tu vas l'avoir en ligne, ok Donc le standardiste explique au docteur la situation. Donc jeune homme, 27 ans, fièvre, mal à la gorge, ok D'accord. Allô monsieur X, bonjour. Voilà, c'est le médecin du centre 15. Donc, il est le goût. 15. Donc, vous avez 27 ans. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Qu'est-ce qu'il y a Où vous avez mal Bonjour, docteur. Voilà, j'ai mal à la gorge et à la tête et j'ai de la fièvre. D'accord Vous avez mal au dos Holly Vous avez mal au dos Aussi Oui, j'ai mal au dos, aux bras, aux jambes et aux jambes. Vous pouvez vous lever, d'accord Vous pouvez vous lever, marcher, faire quelque chose. Non, docteur, je suis malade, je suis au lit, d'accord Je suis malade, je suis au lit. Qui peut aller à la pharmacie pour vous Alors, il est malade, il est au lit, euh, il a mal, il ne peut pas aller à la pharmacie. Alors, qui Qui peut aller à la pharmacie Je vais demander à ma femme. Je lui envoie un message. Donc le jeune homme est marié et il va demander à sa femme d'aller à la pharmacie. Il faut quel médicament, docteur Alors dites-moi votre poids et votre taille. Mon je kimalsmedjusser, d'accord, très important pour les médicaments. Je pèse. Alors vous pesez combien Vous mesurez combien je pèse 82 kg et je mesure 1 mètre 75. Alors, il faut de l'aspirine 500. Alors, c'est l'aspirine. Hein. Vous prenez 3 comprimés, ok, on a dit aliaque, d'accord 3 comprimés par jour pendant 3 jours. Donc, ici, c'est pendant 3 jours, 3 comprimés par jour. Ok Si ça continue, alors. Vous êtes malade encore, qu'est-ce quest okay, qu okay Vous appelez votre médecin et vous lui expliquez votre problème. D'accord Merci, docteur. Ça va Donc, regardez les questions. Page 138, PEC Samchipal. D'accord Donc, 1 À votre avis, on appelle quel service avec le numéro 15 Avec le numéro 15, on appelle le SAMU. 2 qui est Alain Il travaille où Alors, Alain est le médecin régulateur. Régulateur, c'est-à-dire le médecin qui va répondre au téléphone et qui va expliquer. Ok Il travaille où Il travaille au SAMU. 3. Euh, le jeune homme parle avec qui Pourquoi est-ce qu'il appelle Alors, le jeune homme parle avec le docteur. Le médecin, il appelle parce qu'il ne se sent pas bien, il est malade, il ne peut pas se lever, il est au lit. D'accord Donc il est stressé, il ne peut pas aller à l'hôpital, il ne peut pas aller à la clinique, donc il téléphone au 15. Ok 4. Euh, le jeune homme a mal où Alors, il a mal où Il a mal au dos, Ok à la tête, au bras. À la gorge et à la jambe. 5. Qui va aller à la pharmacie Sa femme va aller à la pharmacie. 6. Okay. Quels sont le poids et la taille du jeune homme Alors, il pèse 82 kilos et mesure 1 mètre 75. Attention, le verbe peser et le verbe mesurer donc peser le verbe et mon mouguet le poids ok la taille kiga ou le verbe mesurer ça va si vous allez en France le docteur va demander ensuite 7 donc a regardez compléter je suis Malade, B, j'ai de la fièvre, C, il faut quel médicament, D, j'ai mal à la gorge. Ok, donc vous avez les expressions ici dans la leçon, vous avez les phrases ici importantes. Le médecin demande Qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui se passe Vous pouvez vous lever vous avez mal où Alors, vous avez mal où Où vous avez mal Où est-ce que vous avez mal Vous prenez trois comprimés par jour pendant trois jours. Donc, le docteur va donner des médicaments et va expliquer comment prendre ces médicaments. Mioke, combien Une fois Haru-Hambon Haru-Dumon Etc. D'accord Le malade je suis malade, je suis au lit, je ne peux pas me lever, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, etc. D'accord Donc très important ce vocabulaire pour parler de la santé. Regardez s'il vous plaît Pexamchipal, Pexamchipal, Pexamchipku dans l'armoire à pharmacie. Alors, Hangougeso, Observ, Ouli. Vous voyez, ici, c'est comme une armoire et dans l'armoire, il y a des médicaments. Pourquoi Les Français prennent beaucoup de médicaments. En Corée, pas beaucoup. Vous allez chez le docteur, vous allez prendre des médicaments trois jours. OK et après stop. Oh, en France, oh là là, pigeonneau, médicaments. Je ne peux pas dormir, médicaments. J'ai mal au ventre, médicaments. Oh, les Français prennent beaucoup trop, non non, hein, trop de médicaments. Donc souvent dans la maison, il y a une armoire, armoire dans la salle de bain avec beaucoup de médicaments. Regardez, euh, c'est amusant. Moi aussi j'ai beaucoup de médicaments à la maison. Moi aussi, je suis française. Hein. Les Français prennent beaucoup, beaucoup trop hein, de médicaments. Donc ici, vous voyez, vous avez l'armoire à pharmacie. Mais en Corée, on va dire yak sangja. D'accord hein, Avec une petite boîte sangja, avec un hein, Tylenol, hein, Pantanko, etc. Un peu Les Coréens, c'est un peu. En France, waouh et le docteur en France donne beaucoup de médicaments. En Corée, pas beaucoup. En France, beaucoup de médicaments. OK Alors, on regarde le message. Mon chéri, je suis chez ma mère. Je lui ai parlé de ton problème. Et nous avons regardé dans son armoire à pharmacie. Il y a une boîte de pansement, un thermomètre, un tube de pommade pour les muscles un sirop pour la toux, des comprimés pour dormir, mais pas d'aspirine. Je vais passer à la pharmacie chez monsieur et madame Butel rue de la République. Je leur achète un tube d'aspirine. Monsieur Butel est très gentil. Je lui explique ton problème et il va peut-être proposer d'autres médicaments à tout à l'heure. Bisous. Alors vous vous souvenez le jeune homme a dit au docteur, ma femme va aller à la pharmacie. Donc ici, le message, c'est la femme du jeune homme qui est malade. Pouine, d'accord C'est la femme du jeune homme qui est malade. Donc, regardez bien. Donc, pek samshipal, vous voyez, j'ai, et pek samshipku. Vous avez les questions. Alors regardez la question 1. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo Qu'est-ce que vous avez Vous avez une armoire à pharmacie. Ok C'est une armoire à pharmacie. 2. Qui écrit ce message À qui Donc c'est. La femme du jeune homme malade qui écrit à son mari. D'accord Donc le jeune homme malade, donc le dialogue F, sa femme va écrire ce message à son mari. 3. Où est le personnage qui écrit ce message Qu'est-ce qu'elle va faire Elle est chez sa mère. Mon chéri, tchagia, hein, yobo! bo! Je suis chez ma mère. D'accord? Je suis chez maman. Donc, elle est chez sa mère. Elle va aller à la pharmacie pour acheter de l'aspirine. Ok? Compris? Euh, quatre. Qui sont monsieur et madame Butel? Monsieur et madame Butel sont des pharmaciens. Y a que ça. Un pharmacien, une pharmacienne. Ok Ça va Donc, numéro 5. Retrouver les médicaments. D'accord Alors, regardez la situation. moi. Je ne peux pas dormir. Donc, je vais prendre des comprimés pour dormir. Ou un somnifère. Soumyonjé. Les Français. Prennent beaucoup de somnifères. Il y a beaucoup de stress. On ne peut pas dormir. Beaucoup de somnifères. Beaucoup beaucoup. B. J'ai fait du sport. J'ai fait du sport. J'ai mal. Donc je vais acheter un tube de pommade pour les muscles. Konnyeonge parunun D'accord, un tube de pommade. C. Je suis tombé aïe aïe, aïe hein, en français. Aïe 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 aïe. Hein, aïe, ou aïe ou. Je vais acheter une boîte de pansement. D. Est-ce est que j'ai de la fièvre? Je ne sais pas. J'ai de la fièvre, donc je vais acheter un thermomètre. Je tousse. <coughs> j'ai mal à la gorge. Je vais acheter un sirop pour la toux. Kitim sirop, d'accord Ça va Donc vous avez ici la maladie et vous avez ici aussi les médicaments. Pek samshipku, Peiji tchalposeo, Mumpop. La grammaire, les pronoms, des ça, complément d'objet indirect, C O I, complément d'objet indirect. D'accord, d'accord indirect. Alors nous avons étudié les pronoms compléments d'objet direct direct. Exemple, je mange une pomme. Manger quoi pour une pomme. Ok, sagarul mokta. Verbe manger direct. Complément pour une pomme des ça je la mange ok donc quand vous avez un verbe par exemple j'achète un livre je l'achète ok donc le la les les pronoms compléments directs le problème les pronoms compléments indirects avec des verbes et la préposition. Donc, ça, il co il est, Exemple. Téléphoner à, téléphoner à, d'accord, tchonchisa. Écrire à, donner à, conseiller à, expliquer à. Quand vous avez la préposition à, après le verbe, utiliser, les pronoms compléments d'objet indirects. Ok Ici, vous avez, on vous donne deux pronoms qui sont lui. Alors, pour il elle, il n'y a pas de féminin. On va utiliser lui. Exemple. Euh, elle téléphone à sa maman. Elle lui téléphone. Elle téléphone à son papa. Elle lui téléphone. Donc, masculin, féminin, lui. Pluriel, pour que souriant. Leur. Pas de S. Ok Leur, c'est le pluriel. Féminin ou masculin, pas de problème. Lui, singulier, dans Leur, pluriel. Ok D'accord Donc, vous avez ici. Les exemples, d'accord Vous avez des exemples. Attention à la négation. Attention à la négation. Pujangmun ne se place avant le pronom. Ne se place avant le pronom. Demongsa de à peine. Ne. Exemple. Je ne lui il, pardon, il ne lui a pas donné ce médicament. Il ne pouvait lui démion ça. D'accord Ça va Alors, on va faire des exercices. Hein. Utilisez bien ma leçon. Utilisez bien ma leçon, j'explique tout. OK Dans la leçon, il y a tout. Regardons s'il vous plaît l'exercice 1. il bonne Donc je suis, regardez, euh, donc je suis chez ma mère, je lui ai parlé de ton problème, d'accord Lui, à ma mère. Je vais passer chez monsieur et madame Butel, je leur achète, leur, à monsieur et madame Butel. Monsieur Butel est très gentil, je lui explique, j'explique à monsieur Butel. Ça va OK Exercice 3. On le fait ensemble. D'accord On lui parle de ses problèmes de santé. On parle au médecin. D'accord On parle au médecin. B. On lui achète des médicaments. On achète à la pharmacienne. Attention, pharmacienne féminin. C. On lui téléphone pour s'occuper de la voiture. On téléphone aux dépanneurs. D'accord Dès on leur annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles. On annonce aux amis les bonnes et les mauvaises nouvelles. On leur demande de sortir de la voiture. On demande aux passagers de sortir de la voiture. Ça va Ok Donc on va euh, on va voir, hein? on va voir les exercices pour Travailler un peu le complément d'objet indirect. Ok Avant de finir, je vous demande de regarder la page 140. page 140. SACHI, Attention. H. Il y a l'exercice G. Donc écoutez bien. Écoutez bien. Page 140 H. Écoutez. Page 140, document H. Écoutez. Tout va bien. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Héloïse Pinson. Vous pouvez me laisser un message. Héloïse, ma chérie, c'est mamie. Tu es fatiguée Tu n'es pas en forme Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu restes en ville. Il faut sortir de Paris, ma petite fille. Viens à la maison. Ici, c'est la campagne. Tu peux prendre quatre ou cinq jours de vacances. Moi, j'ai 75 ans et je suis en pleine forme. Bon, j'ai mal aux yeux parce que je suis vieille. Mais tu sais, j'ai marché huit kilomètres ce matin. Je n'ai pas mal aux pieds et je me sens très bien. Bisous. Voilà. Donc, je vous donne les exercices grammaire et aussi pour la compréhension, pour comprendre. Donc, vous écoutez bien page 140, Pexaship Pagey, et vous répondez donc aux exercices. Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, si vous voulez faire des exercices sur la grammaire, demandez. Envoyez-moi un message. Et pour moi, pas de problème. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Et on se voit jeudi. Au revoir.